Météo. Arrivée d'une nouvelle goutte froide, voici les régions qui seront touchées. Depuis dimanche, la France bénéficie d'un temps calme et sec, mais cette accalmie sera de courte durée. Une nouvelle perturbation météorologique, avec des pluies et des orages violents, est attendue à partir de la fin de semaine. Ce mardi 25 juin, le soleil est présent presque partout, avec quelques averses dans l'extrême sud-est. Les températures de l'après-midi varient entre 23 degrés à Brest et 30 degrés à Nantes, Bordeaux et Montélimar. Cette période ensoleillée et chaude, favorisée par l'anticyclone des Açores, se prolongera jusqu'à jeudi. Toutefois, dès vendredi, une goutte froide en provenance du Portugal apportera une nouvelle dégradation du temps. Le sud-ouest sera le premier touché par des pluies et orages violents qui s'étendront progressivement vers le nord et l'est. Samedi matin, Bordeaux et Toulouse seront sous la pluie et l'après-midi, toute la moitié sud, sauf la côte méditerranéenne, sera affectée. Cette perturbation entraînera une baisse des températures. Avec seulement 19 degrés en Normandie et Bretagne et 22 degrés à Biarritz et Tarbes samedi après-midi. Dimanche, les intempéries toucheront la majorité des régions.